fille, avec mes filles, ça se passe très bien. Donc, on s'entend très bien. Tout le monde est content, donc ils sont réceptifs à tout. Ils veulent progresser, ils veulent montrer un autre visage de volley spinalien, de volley de camp. Et je suis très content. Bon, depuis le début de la saison, les résultats suivent. Pour l'instant, les victoires sont au bout. Oui, bien sûr. C'est le fruit de notre travail qu'on a fait depuis... malgré qu'on a... J'ai pris les filles un peu en retard, malheureusement. Mais avec le peu qu'on a fait, j'ai l'impression que l'équipe, elle a pris un autre visage. Donc, les jeunes comme les moins jeunes, ils ont progressé, mais incroyablement. Ouais, il y a quelques jeunes, forcément, pour... régénérer un petit peu ce vivier, parce qu'on connaît les cadres, mais il faut penser également aux futures générations, c'est ça, elles apportent également leur pierre à l'édifice. Oui, bien sûr, il y a vraiment des jeunes derrière, et ça, c'est pas donné à tous les clubs. Mais pour l'instant, je pense que c'est le seul club spinalien où il y a un réservoir immense de joueuses. Mais pour l'instant, même avec les anciennes, les moins jeunes, je suis satisfait. Qu'est-ce que tu apportes, toi, personnellement, Boone ? Eh bien, j'apporte la sénérité, j'apporte à toutes l'expérience, et surtout de leur montrer qu'ils, malgré leur montée en National 3, et ils ont encore des trucs... Ils ont besoin de confiance. Oui, et surtout, ils ont des trucs cachés encore. Et moi, j'essaye d'extraire le 100% de chaque fille. Et ça se voit sur le terrain maintenant. Et voilà, et je suis satisfait. Bon, ce dimanche, il y a un match, forcément. Qu'est-ce que ça vaut l'adversaire ? Alors ce dimanche, ça va être un match très spécial parce qu'ils se connaissent très bien. Ils les ont joués deux ou trois fois l'année dernière. Je pense que ça va être un match de coaching. Donc c'est à moi seul de le faire gagner ce match. Parce qu'ils se connaissent tellement que... Au niveau de coaching, il faut changer quelque chose pour que ça aille bien. Bon, et cette salle, la pique, il y a de l'ambiance, c'est une vraie caisse de résonance, ça doit te faire plaisir quand même. Oui, bien sûr. Donc, moi, je me souviens, j'ai joué dans la salle-là en 83. Donc, quand je rentre dans cette salle, ça m'a fait toujours du frisson. Mais on a un public qui le suit. Et ce que je souhaite, c'est qu'on aura encore plus de monde. Mais c'est à nous de ramener du monde pour nos résultats. Thank you.